Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog. Nous sommes le lundi 29 août, il est 13h25. Il serait temps de se lever un petit peu plus tôt et de se coucher plus tôt parce que là c'est plus possible, se coucher à 3h tout le temps c'est pas possible, c'est plus possible. Même si on a un rythme de sommeil qui est assez bon entre guillemets, parce que si je me couche à 3h et je me lève vers midi, ça fait 9h de sommeil, on est plutôt bien quand même je trouve. Mais ça gâche un petit peu la journée je vous avoue. J'ai reçu mon colis Shein, je suis trop contente, j'ai reçu le cadeau pour ma voisine, enfin c'est un cadeau, c'est un truc que j'ai pensé à elle parce qu'elle a une petite fille comme vous le savez. Et enfin je sais pas si vous savez, bref voilà la petite fille. Et donc à chaque fois quand on fait les sorties poussettes, et ben on a le café en main, on a le téléphone et tout, et c'est chiant, genre ça serait bien de poser nos verres et tout. Bah du coup je pense que ça peut être plutôt pas mal pour elle. Ah voilà, il y a marqué biberon, coffee, bouteille et téléphone, je suis trop contente. Donc c'est fait et pour les poussettes et pour tout ce qui est guidon. Donc je suis trop contente, donc on va tester ça tout à l'heure avec ma voisine, parce qu'on va se faire un café QG comme d'habitude, voilà, je passe ma vie chez eux. Et j'ai pris aussi une fontaine à eau pour Principado, parce que sa gamelle d'eau elle est entartrée, J'ai opté pour une fontaine à eau, on en avait une avant, mais elle avait eu aussi beaucoup de tartres. Ici c'est un gros problème dans notre ville, dans Paris aussi, il y a énormément de tartres. Tu vois, on va tester ça, on va essayer d'installer tout ça. Alors le programme de ce vlog, donc, je pense que ça sera un vlog sur plusieurs jours. Je dois aller chercher aussi des colis, j'ai commandé mon défroisseur et l'espèce de pâte, l'argile, je sais pas quoi là, pour nettoyer le calcaire du coup sur l'évier, sur l'inox, etc. Donc je l'ai acheté et c'est arrivé au point relais. Mais j'ai oublié de m'acheter les recharges d'Imo, je suis trop conne, c'était ça que je voulais acheter au début et au final Elisa est bête, Elisa a oublié ça. Et j'aimerais bien ranger la salle de bain. Parce qu'en fait j'ai plein de petites boîtes et des couvercles de boîtes, etc. C'est bien pratique, c'est bien mignon, mais ça se casse la gueule et ça me saoule. Du coup je vais acheter des petites boîtes, j'espère qu'il y en aura à Action. Et ce matin je me suis fait un café latte frais avec des glaçons, bah c'est super bon. Je pensais pas que j'allais autant aimer, j'aime beaucoup, je préfère ça que chaud. On va installer cette petite merveille. T'as vu Prince, c'est pour toi mon cœur. On va laver ça, ça va être pour toi. Bon, j'ai tout installé, c'était pas si compliqué que ça, hein. C'était assez facile. Fallait juste laisser poser le filtre quand même pendant 10 minutes. Oui mon chacha, c'est pour toi. T'as vu? Maman elle pense à toi, hein. T'as vraiment la chance d'avoir une maman incroyable. Moi je dis ça, je dis rien, tu devrais lui faire plein de câlins. Et pas miauler à 6h30 du matin, petit con. En plus elle est vraiment design je trouve, elle est très très belle. J'espère qu'elle fait pas trop de bruit, c'est juste ça. Oui mon cœur. Il est curieux ce con. Ah Principado. Elle fait pas de bruit. Oh, elle fait juste le bruit de l'eau quoi. Mais puis t'as vraiment un gros bruit de fond là qui est vraiment chiant. Par contre le fil on en parle ou pas? Ça va être un peu chiant ça à cacher. Donc j'espère que ça va bien filtrer et tout l'eau. En tout cas il y avait deux gros filtres. Mais pas des poils dedans, commence pas à foutre des poils avec tes fesses là. Et pour l'achat des filtres je sais pas trop. Après c'est des filtres ronds. Bon voilà ça se trouve assez facilement sur Amazon ou autre. Je suis trop contente. Peut-être sur Shein ils en ont aussi des filtres. Ça je l'avais vu sur Amazon. C'était assez cher. Et en fait sur Shein c'est exactement la même mais à un prix beaucoup plus moindre. Hein. C'est super. T'es content mon chat? Oui. Donc je suis trop contente de cette petite fontaine à eau. Ça rajoute un petit bruit. Bon faut pas avoir envie de pisser. Hein. Ça... Vraiment, voilà. Mais elle est trop mignonne, elle est très design en plus. Je suis trop contente parce que j'ai vu celle à Truffaut et tout. C'est hors de prix, hein. Je suis désolée. Et c'est moche, hein. Soit c'est une vieille marguerite toute moche, soit c'est un truc comme on avait avant qui était vraiment dégueulasse avec un réservoir d'eau vraiment très très bas. Et là, il y a quand même, je pense, un bon litre hein, là-dedans et très design. Donc, je vais aller faire les petites courses parce que bah, ma voisine, elle a besoin que j'achète des petits trucs, notamment du lait, etc. Dans la dernière vidéo, j'avais acheté du lierre à Ikea. Et j'avais mis le lierre juste là. Je trouve ça très ridicule. Voilà, donc j'ai acheté hier à Truffaut, vu que j'ai travaillé à Truffaut. J'en ai un peu plus. J'ai acheté une Pilea qui était à 3,49€. Faut savoir que les Pilea coûtent très très cher à Truffaut. Celle-ci était de base à 12 ou 13€. Et il y avait une belle promotion, franchement incroyable. Très belle. Et la Pilea, en fait, ça attire la richesse. C'est fait pour l'argent. Si tu veux souhaiter de l'argent à quelqu'un, t'achètes une Pilea. Et je vais changer. Je vais mettre le lierre juste là. Parce que voilà, ça fait bizarre d'avoir du bruit là par terre. Ah moi c'est chiant. Donc c'est parti,
On va changer les pots, les godets, les bidules, les chouettes. Ça fait des racines vraiment bizarres. Hein. À chaque fois, je suis assez épatée des racines. Attendez, je vous montre les racines parce que je pense que vous avez jamais vu les racines des pilia. Regardez les racines. Vous voyez, elles sont pas trop bizarres. J'aime trop. Alors, voilà ce que ça donne. Je trouve ça beaucoup mieux. Je chiale, c'est un petit Donald que ma meilleure amie m'a donné. J'adore. Ça fait un peu plus aéré et tout. Non, j'aime bien. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et maintenant, le lierre, on va essayer de le positionner un petit peu mieux. J'aime beaucoup, Lisa. Franchement, t'as l'œil, t'as... Voilà, là, magnifique. Oh, j'aime trop. Ça fait du bien, un petit peu moins de plantes mortes. Du coup, je vous montre l'état de ma salle de bain. Là, pour l'instant, c'est n'importe quoi. Bon, là, je viens de me maquiller et tout le bordel, donc c'est encore plus le bordel. Mais voilà, enfin, ça, c'est plus possible. Donc, il y a tout ce qui est pharmacie, des ongles, serviettes hygiéniques, des shampoings, des machins, des bidules, des chouettes. Donc, il faut que j'achète des petits bacs, je pense, pour mieux organiser. Bon, du coup, je vais partir. Je me suis changée. J'ai mis un pantalon qui vient de chez Stradivarius. Ils sont vraiment bien. Je l'ai aussi en marron. Franchement, ils sont plutôt quali et tout. Après, là, j'ai mis ma culotte de règle. Du coup, on voit la trace de la culotte. C'est pas ouf. Ça vient de chez Shein, c'était dans un ensemble jupe et plus haut. Donc je vais chercher les colis, je vais aller à Action acheter les boîtes qu'il me faut. J'ai acheté mes dimos aussi, ça c'est fait, ça va arriver demain. Je dois passer à Belle Épine pour acheter le lait pour la petite de ma voisine, parce que là, elle pourra pas se déplacer, ça va être un peu galère, du coup je vais aller lui chercher ça. Et voilà, écoutez, on va faire ça, après je vais aller faire un petit café QG chez ma voisine. A few moments later. Bon, je viens de rentrer, je suis allée à Belle Épine, etc. Et j'ai pris un Too Good To Good, donc il faudra que je retourne à Belle Épine. Là, je dois aller chez ma voisine, on va prendre un café QG. Mais avant ça, je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Primark, à Action. Et ce que j'ai reçu d'Amazon. Donc on continuera le vlog demain parce que je pense qu'après ça, je sais pas si j'aurai la foi de faire la salle de bain. Ça, c'est la pierre d'argent. Donc c'est cette pâte là que je vous parlais là, avec la petite éponge à l'intérieur pour nettoyer tout l'inox, le calcaire, le machin, bidule chouette. Et ça a l'air hyper économique hein, quand même. Donc je pense que ça peut être plutôt pas mal. Après, je l'ai payé 15€ je crois. Donc je sais pas combien de temps ça va me durer, mais en tout cas, si ça fonctionne. Avec plaisir. Ensuite, je me suis pris ce défroisseur là. J'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos. Un défroisseur comme ceci, c'était le mieux noté. Hein. Je l'ai payé 45€, je crois. Mais à ce qui paraît, il est bien. C'est l'un des meilleurs sur le marché. Enfin, sur Amazon en tout cas. Il est parfait pour partir en voyage et tout. Enfin, vraiment, voilà. Moi, j'aimerais bien l'utiliser quotidiennement. Donc, ça se présente comme ça. Il est assez léger, je trouve. Donc, hâte de tester. Vous avez des petits accessoires. Ensuite, à Action, j'ai acheté donc des petites boîtes pour mettre en dessous, au tiroir du dessous. J'espère que ça va passer. J'ai pris un petit jouet pour mon chat. C'est un truc comme ça avec un petit peu de papier. Je sais pas s'il va kiffer. Prince, tu vas kiffer ou pas? Depuis que Birdie n'est plus là, il joue plus avec aucun de ses jouets. Tiens, mon cœur! Moi je dis, il y a une petite amitié naissante qui est en train de se créer là. On tient quelque chose. Je dis ça, je dis rien. Ah, ouh, ouh. Alors mon chat t'es content? Et là il va jouer avec sa patte arrière. Je comprends pas pourquoi les chats jouent avec leur patte arrière. Vous m'expliquez? 1€. Voilà, j'ai fait 1€. Oh mon chat t'es trop mignon. Oh t'es trop beau. Oh j'aime bien. Oh non, t'es trop chou, mon cœur. Des boules de graisse pour les oiseaux, parce qu'il m'en reste plus beaucoup, à 1€. Ah, j'ai pris ça pour ma voisine. J'en ai pris un pour moi, un pour ma voisine. Je vais lui faire tester ça, pour qu'elle essaye sur ses petits pieds. Donc on va tester. J'ai pris donc un bac comme ça. Je crois que j'en ai 3 autres, mon meuble sur la gauche. Donc j'aimerais bien les utiliser pour mettre dans mon meuble en dessous d'évier. Et à la place de ça, mettre ça. Donc j'en ai pris 3 comme ça. Et à Primark, je suis allée à Primark du coup pour acheter mon sac que je veux depuis je ne sais combien de temps là, qu'on a eu un coup de cœur tous les deux, il n'y en avait plus, il n'existe que en blanc. Du coup c'est pas genre je le vois sur le mannequin et tout, donc le mannequin était assez haut, il y avait les vigiles en face de moi, je me suis dit bon qu'est-ce que je fais, je le prends ou pas? Du coup je suis allée au culot devant le mannequin, j'ai essayé de le détacher comme je pouvais, mais vraiment c'était galère parce qu'il l'avait vraiment bien attaché. Et j'ai pris le modèle d'expo quoi, enfin le modèle qui était exposé sur le mannequin, donc tout le monde me regardait mais j'en avais rien à foutre, je voulais mon sac à main. Voilà la bête. Alors vraiment c'est un sac à main plus basique, tu meurs, mais franchement il est trop bien. Attendez, il est comme ceci, on peut le prendre en bandoulière, comme ça et tout, avec une petite pochette. Là vous avez aussi un petit truc là,
Vous avez une poche à l'intérieur, une énorme poche. Genre, on peut mettre tellement de choses. D'ailleurs, bref, ça a l'air hyper organisé. Enfin, voilà, iPad, les cours, les livres, la bouteille d'eau. Moi, j'ai besoin d'un sac léger parce que les sacs comme ça, généralement, ils sont super lourds. Et moi, j'en ai marre d'avoir des problèmes au dos à cause de leur sac de merde, là. Et du coup, bah, ce sac-là, il est super bien. Et surtout, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a un petit clip pour le fermer. Donc voilà, très fonctionnel. Moi, je l'aime beaucoup. Je vais alterner... Ce qui joue, ça me fait rire. Je vais alterner entre les tote bags, ceux que je prends habituellement, et les sacs comme ça. Ensuite, j'avais acheté beaucoup de décorations automnales. Si vous n'avez pas vu mon haul, je vous le mettrai dans le petit i. Et en fait, ils ont rajouté d'autres choses automnales. Je suis trop contente. Donc, c'est des petites citrouilles. Il existait en grand format. J'ai préféré les prendre en petites. Donc, des petites citrouilles bougies, blanches et orange-rouge. Trop trop belle à 2€. La dernière fois, il y avait une collection Donald, mais elle était un peu chère. Du coup, j'avais acheté que le short qui était à 10€. Et il y avait aussi le pull, donc celui-ci à 10€. C'est pas genre je le vois en promotion à 7€. Du coup, j'ai foncé. Ah non, pardon, c'était pas 10€. C'était, attendez, pour vous dire, c'était 16€. Vous voyez, c'était super cher, je trouvais, pour un pull. Et là, c'était à 7€. I'm so happy. Regardez ça comme c'est beau. C'est Donald de partout. Du coup, j'ai le short et le pull qui va avec. Donc, go passer mes meilleures journées dans... Mes meilleurs dimanches, j'ai envie de vous dire, dans ce genre de tenue, je suis ravie. Et j'ai acheté aussi à la pharmacie ça pour ma voisine, le lait. Donc voilà pour mes petits achats, je vais les vérifier dans la salle de bain parce que ça me perturbe. Si ça passe pas là. Alors, oh là là, ce bordel, c'est pas possible. Je voulais acheter ça, mais en plus gros, mais il n'y en avait pas. Moi, je veux savoir en hauteur, est-ce que ça... Oh non, s'il vous plaît. Bah du coup, ça ira là. Oh non, c'est chiant. Non, à moins que je découpe le haut. Oh là là, non, Lisa, tu vas pas faire ça. Ça coûtait combien? Quand même 3,49€. Bah, je pense que j'irai à Action me faire rembourser du coup parce que ça passe vraiment pas. Ouais, 7 balles pour 2 paniers en plus, j'avais pas vu le prix. Oh non, mais Prince, t'abuses là. Ah, j'en avais bien. Super, donc ça je vais les réutiliser, je vais les mettre dans le fond. Super, je suis trop... Vous voyez ce bordel? On va le ranger parce que là j'en peux plus. Bon, je reviens du Too Good To Go et j'en ai foutu partout comme vous pouvez le voir. J'ai reçu un baba au rhum. Alors j'aime pas le rhum, hein, je déteste ça. Peut-être que je vais pouvoir le manger ou je vais le filer à mes voisins, je sais pas. Mais ça a coulé dans tout le sac, donc bon c'est pas grave. Donc j'ai eu un baba au rhum, j'ai eu du pain et j'ai eu une salade. Alors ça change, d'habitude j'ai beaucoup de pain, des viennoiseries et tout. Et là j'ai eu une salade, donc ça va me faire mon petit repas. Du soir, en plus elle a l'air super bonne. Bon, et eh bien c'était pas mauvais la salade, c'était pas bon, c'est pas mauvais non plus. Enfin ça passe, mais je mangerai pas ça tous les jours. On va s'attaquer à la salle de bain. Je pleure d'avance parce que le bordel est monstre. On va faire un petit avant après, tiens. Je pense que je vais genre tout mettre par terre, tout trier, tout ce qui est bon, pas bon, je vais prendre un sac plastique, tiens. Mais il faut tout réorganiser, c'est pas possible. Hein. Là c'est plus possible. Bon, je vous pose. Bon, j'ai un petit peu menti. Je pensais avoir fait du tri dans ma pharmacie. Mais au final, pas du tout. Il y avait plein de médicaments qui étaient périmés. Je suis dégoûtée. Depuis 2018. voilà, voilà. Bon, on va ranger les restants, les compresses, hein, ce qui n'est encore bon. J'ai juste encore du paracétamol et du ambroxol. Voilà. Très bien. J'ai tellement de bandages. Vraiment, si je me coupe ou si je me blesse, il n'y a aucun souci. Par contre, si je suis en PLS, j'ai ni Doliprane, ni Spaston, ni rien. Il est grand temps que j'aille... Ah bah, ça c'est quoi ça? Magnésium, c'est important ça. Il est grand temps que j'aille chez les médecins pour renflouer un petit peu tout ça. Et demain, je mettrai une étiquette en disant que c'est bien la pharmacie, même si je sais que c'est la pharmacie. Et du coup, il y a mon voisin qui m'appelle parce qu'on devait en fait manger McDo ce soir. J'avais proposé comme ça et du coup il était pas là mon voisin, bah hein. Donc là il m'appelle et il me dit ouais on se fait un McDo. Je dis mais j'ai déjà proposé. On m'a dit non parce que t'étais pas là. Du coup il m'a dit bah vas-y je vais chercher, parce qu'il sait que j'ai mangé. Je vais chercher un McFlurry d'un caramel et tout. Voilà, je suis cotate. J'ai mangé d'un caramel, en plus c'est gratuit. C'est meilleur quand c'est gratuit. Ensuite, on a fait la pharmacie, ça c'est cool. Ça, c'est bien. Ah non, pardon, je viens de voir, il y a encore les trucs là, la bétadine et tout là. Il me faudrait un plus grand bac, hein. Je suis désolée, mais il me faut un plus grand bac, beaucoup plus haut et profond, mais il n'y en avait plus à Action. Alors, pour les masques, j'ai tout ça de masques pour les lèvres. Ça vient de chez Action, ça aussi, ça vient de chez Action. C'est des dessous d'œil et des pore strips, ça rend bien. Ça, c'est super, c'est des masques pour les cheveux aussi qui viennent de chez Action. Ils sont vraiment géniaux, donc j'en ai testé un, il était vraiment bien. Là, c'est les masques que je dois utiliser rapidement parce qu'ils sont périmés.
périmés depuis pas très longtemps, du coup je vais les utiliser assez rapidement. Là c'est des masques gold, donc ils sont encore bons pendant longtemps, c'est bien de chez YesStyle. Ça c'est des foot masques, j'en ai encore plein, alors j'en ai racheté aujourd'hui, comme quoi il fallait bien que je fasse mes placards pour voir ce que j'ai. Et là c'est d'autres sheet masks qui sont vraiment bien, qui viennent de chez YesStyle. Ils sont encore bons, donc je vais les utiliser, mais ils sont bons jusqu'en mars 2023. Donc ça, je vais les mettre vraiment sur le devant pour pouvoir l'utiliser. Et voilà ce que ça donne. Donc là, c'est les masques qu'il faut que j'utilise en premier. Et après, voilà tout le restant. C'est bien trié. Je suis contente, ça tient dans la petite boîte. C'est trop mignon. Ensuite, là, c'est tous les produits Nuxe que je n'ai jamais ouverts. Ça venait des calendriers de l'Avent. Vous savez, c'est tous les petits formats et tout que je garde en fait, que je garde au cas où. Voilà, pour les voyages, etc. Il faut que je me fasse un truc comme ça avec que les masques. Parce que là, il y a un peu tout mélangé. Donc, je vais faire un truc avec les masques. Je sais qu'il y a des masques ici, voilà. Donc là-dedans, il y a énormément de masques. Il y a aussi des crèmes de ça, là. Il y a aussi des shampoings, vraiment des limes à ongles. Enfin, voilà, c'est un peu le bordel, quand même. Bon, je viens de rentrer. Il est minuit et demi environ. On a passé... toute la soirée ensemble comme d'habitude quoi, voilà, c'est mes voisins, c'est ma famille, c'est voilà, c'est des gens vraiment géniaux. Je suis vraiment contente de les avoir avec moi, ils sont vraiment d'une pureté, d'une bonté incroyable. J'ai commencé à fait à mettre les produits que j'utilise, genre les crèmes et tout, mais après j'ai aussi des produits là que j'utilise, je vais peut-être les mettre là. En fait là il y a tous les produits solaires, mais là j'en aurais plus besoin du coup des produits solaires, faudrait peut-être que je les range autre part. En fait c'est vraiment pas rangé, c'est juste posé comme ça, j'ai bien pas trop d'organisation, mais ça c'est vraiment des choses que j'utilise beaucoup. Ça c'est vachement bien, c'est des lingettes intimes, elles sont vraiment très très bien. Et si vous voulez pas prendre les gros paquets comme ça, vous avez des petites lingettes comme ceci qui sont vraiment très bien. Ça c'est ma crème pour le corps qui est excellente. Donc là si on fait un état des lieux, c'est le bordel. Voilà, c'est le bordel, mais c'est un bordel organisé entre guillemets. Voilà, il y a les huiles Melvita que je n'ai toujours pas testées. Je les ai achetées pour les tester, mais j'ai toujours pas fait. Ça, c'est une huile lactée démaquillante. J'aimerais bien peut-être la mettre dans la douche, ça. Parce que la mienne, qui est comme ceci, est terminée. Qui était vraiment très très bien. Franchement, ça, c'était une pépite. Bon, nous sommes le lendemain, j'ai récupéré ma commande d'Amazon là pour la Dimo. J'espère que ça va passer. Donc hier soir j'ai rangé un petit peu jusqu'à 2h du matin. J'ai énormément jeté, je pensais pas avoir autant de produits périmés. Ou vides que je gardais en fait, je comprends pas, peut-être c'était pour garder les références, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé dans mon cerveau. Mais du coup, j'ai quand même pas mal trié, etc. Il faudra que j'aille à l'action. Je sais pas si j'y vais aujourd'hui. J'ai la tête dans le cul. Je me suis réveillée hyper tôt ce matin, là. Je vais vous montrer la salle de bain, du coup, l'état, parce que c'est n'importe quoi. Alors, la salle de bain, vous êtes pas prêts. Quoique, ça, c'est mieux que hier, hein. Alors déjà, j'ai essayé de catégoriser un petit peu au début. Donc, j'ai fait les soins, etc. Et après, je me suis dit, bah tiens, et si on réorganisait un petit peu tout ça? Parce que là, c'était le bordel. Donc là, j'ai mis des boîtes. Avant, il n'y en avait pas. J'ai retiré, je pense... la moitié de ce qu'il y avait dedans, c'était des huiles qui étaient vraiment finies. Je comprends même pas pourquoi je gardais ça. Et du coup, bah, j'ai mis tout ce qui est solaire dans le fond, mes brumes, mes trucs pour les cheveux là que j'utilise assez fréquemment, et là, toutes mes huiles pour les cheveux. Ou le corps quoi, donc j'ai mis ça ici, c'était beaucoup mieux. Là aussi j'ai réorganisé, donc là je vais mettre tous mes chouchous, mes trucs pour les cheveux, enfin voilà, les trucs comme ça. C'est bien, et après j'ai mis mes rasoirs dans le fond, mes cotons-tiges, enfin tout ce qui est de base là. Ensuite là j'ai pas trop bougé, j'ai laissé le sèche-cheveux, le boucleur et le lisseur est à côté. Là c'est des brosses, des vernis aussi qui sont là, alors de base c'était pas là. Hein. Et là les deux derniers tiroirs j'ai vite fait bouger des trucs, mais c'est des choses qui n'ont rien à voir avec la salle de bain, donc je les laisse là parce que j'ai l'habitude. Ensuite il y avait tout ça de plastique, de bisules, de chouettes que j'ai tout jeté là, c'est n'importe quoi, c'est un sac de 50 litres, je vous avais dit que j'allais jamais le remplir, mais il est rempli les gars, je comprends pas, il y a tellement de boîtes vides, je sais même pas comment j'ai fait. Quoique ça fait quand même 2 ans que j'ai pas fait de tri dans la salle de bain, mais quand même, genre là c'est pas possible. Ensuite j'ai réorganisé ça aussi, j'ai enlevé les masques qui étaient plus bons, et j'ai mis en fait le make-up de tous les jours. Comme ça, bah c'est mon petit make-up. Après j'ai mon make-up qui est dans la coiffeuse dans ma chambre, mais je me maquille tout le temps là, du coup j'ai mis ça ici, c'est le make-up de tous les jours. Là j'ai pas trop touché ici, là j'ai beaucoup touché. Donc là en bas il n'y a rien pour l'instant, j'ai mis mes petites brumes que j'utilisais l'été, je les ai mises là, il n'y a rien pour l'instant. Là j'ai pas touché, là j'ai touché du coup, c'est tout ce que j'utilise en ce moment, les masques j'utilise, les crèmes etc, c'est vraiment le truc de tous les jours.
Donc j'ai mis ça là, avec les sérums et tout. Là, c'est tout ce qui est déodorant, le spray fixateur, et il y avait aussi le truc micellaire là. Ensuite là, j'ai mis tout ce qui est sérum. Donc voilà, il y a beaucoup de sérum, hein, j'ai remarqué ça. Ça c'est mes pads pour me nettoyer le visage. Là c'est ce que j'utilise pour les cheveux, Secret Key, mon déo. Donc là c'est des choses que j'utilise assez fréquemment. Et là c'est tous les masques. Donc j'ai mis les masques tissu et les masques normaux. Donc comme ça, voilà, j'ai tout sur un même truc, au moins ça c'est cool. Dans le meuble ici, donc j'ai commencé un petit peu à ranger. Là c'est tout ce qui est réserve entre guillemets, hein. Donc là il y a les gels nettoyants, il y a aussi mes déos, il y a aussi des gommages. Là c'est les cellules blue, là c'est ma cire. Là c'est tout ce qui est hydratant, donc pour le corps mais surtout pour le visage, tout ça c'est le visage, j'en ai beaucoup. Et là c'est pour tout ce qui est les douches, cheveux et tout le bordel. Du coup, à chaque fois c'est dans le fond, j'ai toujours eu l'habitude d'avoir ça dans le fond. Et ensuite là en dessous j'ai rien pour l'instant, j'ai mis ça comme ça mais j'ai rien. J'aimerais beaucoup acheter une grosse boîte là pour ma pharmacie parce que c'est une catastrophe. Donc voilà pour l'instant où j'en suis, je trouve que j'ai vraiment bien avancé hier soir. Je me suis tapé, une déterre, je sais pas ce qui m'est arrivé. Mais du coup voilà où nous en sommes. Alors dans tout ce bordel j'ai eu une idée. Bon déjà j'ai mis mes petites étiquettes là sur les petits paniers là. Ça donne ça. C'est mignon. C'est pas droit mais c'est pas grave, on s'en fout. Je pensais mettre mes bombes de bain. Vous savez tout ce bordel qu'il y a derrière là, c'est des bombes de bain. Donc je pensais les mettre peut-être dedans. Je les vois pas, je sais pas ce que j'ai. J'ai des trucs lush, je sais, mais je sais. Enfin, peut-être que je les utilise aussi hein, parce que c'est vrai que je me fais plus de bain. Tout ça là. C'est des bombes de bain. Bon du coup vous voyez pas trop avec tout le bordel là bien évidemment. J'ai mis les bombes de bain. Il y a une bombe de bain. En fait elles étaient toutes poussiéreuses, toutes dégueulasses. Du coup je les ai mises sous l'eau. Mais je pensais que c'était hermétique. Du coup il y en a quelques-unes qui sont en train d'exploser à l'intérieur. Notamment celle-ci. Donc pour ça je l'ai mise là au cas où. Et les autres là ici c'est tout ce qui est lush. Et là c'est tout ce qui est beauté privée, ce que j'avais acheté etc. Donc voilà déjà pour cette partie là je vais laisser le côté bain. Je trouve que c'est assez bien. Voilà j'ai mis les serviettes et les tapis de bain. Je vois que j'ai pas beaucoup de serviettes. J'ai qu'une seule serviette d'avance. Celle là c'est une serviette pour prince, pour nettoyer les animaux. Vous voyez pas, mais là ça fait... C'est beaucoup mieux, c'est plus aéré et j'ai accès à mon panier à linge. Après j'avoue le panier à linge, j'utilise pas trop, je mets directement les affaires dans la machine. Alors j'ai testé deux bacs comme ça, l'un sur l'autre ça ne rentre pas. Par contre j'ai trouvé ça dans mes placards, donc c'est une boîte, une grande boîte comme ceci, où je mets mes lingettes. Là je pense que j'ai pas besoin d'une aussi grande boîte. Donc je vais transvaser, je vais mettre ça parce que ça passe tout pile. Je vais mettre ça, je vais inverser ce qu'il y a dedans. Bon voilà, la pharmacie est prête. Les lingettes, hop, pile poil. Ce placard est enfin terminé, je n'en peux plus. Je pense qu'on a bien rangé, j'ai bien rangé, j'ai bien optimisé le truc. Même si ça fait un petit peu brouillon avec ça, je trouve que c'est beaucoup mieux quand même. Et ben je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça beaucoup mieux. Déjà c'est rangé et propre, mais c'est organisé, il n'y a plus tout ce bazar sur le... Sur le panier à linge, il n'y a plus le bazar ici, donc ça fait un peu plus aéré déjà, je suis trop contente. Attention mon cœur. Oh tu joues à la balle, t'es trop mignon mon amour. Vas-y tiens. Et vas-y. Fume. J'aimerais beaucoup tester ça là, la pierre d'argent sur mon évier. Genre, il y a des traces de partout, genre c'est chiant. J'ai un chat qui me colle, il est quelle heure prince? Ah non, il est pas 19h, hein. Ah, fait pas chier hein. Donc comment on fait? On doit tremper ça. Ah par contre ça sent fort le citron. Et ensuite, prendre ça et frotter. Et même dans la salle de bain, sur la paroi de douche, je ne sais pas si ça va fonctionner, mais j'aimerais beaucoup tester. Bon, j'ai mis juste sur un petit morceau de ma paroi et dans l'évier de la salle de bain pour voir ce que ça donne. Et là, j'ai essayé d'agir 2-3 minutes. Et on va rincer. Et ben je suis super contente, genre le calcaire il est bien parti. Là avant il y avait quand même pas mal de traces et là c'est que des traces d'humidité là que je viens de passer avec le chiffon. Je vais maintenant voir dans la salle de bain ce que ça donne avec la petite paroi de douche. La paroi de douche ça va être un peu plus compliqué parce que vraiment il y avait du calcaire de fou. Donc j'ai fait ça ici mais en fait il faut vraiment pas laisser trop agir parce que sinon ça fait des traces. Donc je vais rincer, j'en ai même mis là pour parce qu'il y avait un petit peu de calcaire mais regardez la paroi de douche comment elle est. Je sais pas si vous allez bien voir, mais elle est vraiment attaquée, tu vois. C'est incroyable. Je sais pas si vous allez voir l'avant. Donc le... Je sais pas si je vais faire le focus. Ouais, voilà. L'avant, l'après. Et en fait, les traces que vous voyez, c'est les traces qui sont de l'autre côté. Oh,
Mais c'est incroyable. Eh ben honnêtement, j'ai pas pu tout revoir. Mais franchement, comparé à tout à l'heure, bon, il y a encore des petits résidus, je pense que vous voyez un petit peu. Mais comparé à tout à l'heure, enfin, ça n'a rien à voir. Donc il y a encore des résidus, mais bon, j'ai plus la force là. J'ai plus la force, mais c'est déjà beaucoup mieux. Eh bien écoutez, je vais arrêter la vidéo là, je suis exténuée. Voilà, je n'ai plus de force, je n'ai plus d'envie, voilà, je suis à bout. Voilà, je vais vous laisser là, j'espère sincèrement que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à vous abonner à mon compte Instagram qui est ElisaBRTOff, à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos de ce que je prends juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.